3 mois entiers sans revoir Jérusalem. J'espère bien que ça va changer. Et que cette fois au moins, on aura le loisir de s'y arrêter un peu. C'est surtout ces danseuses que j'aimerais revoir. Et plus de sable! Où est la prochaine oasis? Quoi, qu'est-ce que c'est? Un blessé? Bah alors, il nous manquait plus que ça. Dieu sait où cela va nous mener encore. Quand je pense qu'on est si près de Jérusalem. Blanchot, de l'eau! Allez, dépêche-toi. Qui t'a assailli? Syriac. Il a volé le message du roi. Il faut aller à sa fête. Le message t'a été volé par un Syriac? Oui. Mais que se passe-t-il à la forteresse de Safed? Safed est assiégé par les hommes de Zengi. Fulk prépare une expédition. Il faut qu'il tienne encore quelques jours. Les Syriacs sont maintenant à la solde de Zengi. Mais pourquoi voler le message? Pourquoi se donner tout ce mal? Il me semble que... qu'il suffisait de tuer le messager. Je pars pour Safed. Toi, Blanchot, continue jusqu'à Jérusalem. Aussi vite que ton cheval pourra te porter, avertis Fulk de ce qui s'est passé. Et voilà Thibault reparti pour une autre mission. N'es-tu donc jamais là de jouer les héros? Yeah! Ne compte pas un instant que je vais aller à Safed accompagner le roi. Je veux rester à Jérusalem. À ta place, je me méfierai des Syriacs de Safed. Ils sont piques les Turcs. Allah soit avec toi. Il me faut de l'eau et de la nourriture pour mon cheval. Je dois être à Safed avant la nuit. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin par là. Que les Syriacs t'ont souhaité la bienvenue. Oussama. Où est mon cheval? On te l'a volé, sans doute. Donne ton cheval à Thibault. Ah, Oussama, jamais ma joie de te revoir n'a été aussi grande. Mais ne perdons pas de temps, ami. Je dois me rendre à Safed. Nous te suivons. Facile d'entrer. Les Turcs sont devenus moins vigilants. Ils sont peu nombreux aux portes. Ils s'apprêtent à cueillir un fruit mûr. Je n'aperçois que 3 croisés là-haut sur les remparts, alors qu'il devrait être au moins une vingtaine. Regarde, du côté du ravin, il n'y en a pas un seul. Je vais pouvoir entrer par là sans être pris pour un Turc. Oussama, à mon signal, tu viendras à la porte de la citadelle.
Allah soit avec toi. D'où il vient celui-là? Comment il est entré? Oui, capitaine. Et vous? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Il n'y a pas de garde sur les remparts. J'apporte un message du roi Foulque. Un message? Foulque ferait bien mieux de m'envoyer des renforts. Je n'ai pas besoin de messages. J'ai besoin d'hommes. Et quel est ce message? Foulque est en route avec son armée. Il veut que vous teniez jusqu'à son arrivée. Oh, ainsi, il nous faut tenir. Très intéressant. Ce message me plaît mieux que le précédent. Mais peut-être ferais-je bien de sursoir jusqu'au troisième avant de prendre une décision. Que voulez-vous dire? J'ai là un messager qui lui prétend qu'il faut se rendre. Cet homme est un imposteur. Foulque ne je donne jamais l'ordre de se rendre. Ça n'est pas dans ses habitudes. Mais cette fois-ci, il l'a donné, et même par écrit. Je n'ai pas, moi, de message écrit. N'écoutez pas cet homme. Rendez-vous aux Turcs. C'est le seul moyen de sauver les blessés et d'épargner les survivants. Je remplace le messager de Foulque qui a été traîtreusement tué sur le chemin qui le menait ici. Son message donnait ordre de tenir le siège. Assez. Qui faut-il écouter? L'un est porteur d'un message écrit, et j'hésite à le croire, mais l'autre n'a rien. Depuis des mois, nous combattons les Turcs. Et à présent qu'il ne me reste plus qu'une dizaine d'hommes, je reçois du roi deux messages contradictoires. Lisez ce message vous-même. Où voyez-vous qu'on me dise de tenir, ou qu'on m'envoie les renforts? Je vous ordonne de vous rendre aux Turcs. C'est un faux, regardez, les mots ont été grattés et changés.
Je vois ce qu'il en est. Le meurtre du messager n'était pas suffisant. Vous saviez que seul un message écrit de la main du roi pourrait convaincre le capitaine de livrer la forteresse. Me convaincre de me rendre. Il n'est point né encore celui qui m'en convaincra. Je n'ai pas le temps de tirer cette affaire au clair. En tout cas, vrai ou faux, j'ajoute foi au message qui me donne l'ordre de tenir. Qu'est-ce qui se passe? Pardon! Allons, les gens, vite! À moi, vite! Mais vous êtes tous fous, vous n'avez aucune chance. Les Turcs vous ont donné jusqu'à ce soir pour leur ouvrir les portes. Mais si les portes ne sont pas ouvertes, ils attaqueront et vous mourrez tous. Faites-le taire, bâillonnez cet homme. Les Syriaques, enfermez-les. Nous savons maintenant que les Turcs vont attaquer cette nuit. Il faut nous tenir prêts. Tout le monde sur les remparts. C'est moi qui commande ici. Tout le monde aux remparts. Quelques guerriers hors de ces murs, ce sont des amis. Ils sont prêts à nous aider s'ils peuvent entrer. Allez, suivez-moi. Oui, mais ne t'inquiète pas. Thibault sait ce qu'il fait. De toute façon, même s'il nous aide, on ne résistera pas longtemps aux Turcs. Je n'ai pas peur de me battre, mais je n'aime pas attendre. Allez, dépêchez-vous un peu. Merci, Oussama, d'être venu. Peut-être ne nous reverrons-nous jamais plus. J'aurais aimé pouvoir te donner meilleure récompense que la mort,
Ne sois pas en peine pour nous, capitaine. Mes hommes et moi, nous avons déjà affronté la mort, et si nous sommes à tes côtés, c'est de notre plein gré. Si seulement Foulque pouvait arriver aujourd'hui. Thank you.
De la chrétienté, je te remercie, Thibault. La perte de sa fête eût été un désastre pour le royaume de Jérusalem. Non, c'est à Ouzama que doit aller votre gratitude. Il a risqué sa propre vie et celle de ses hommes pour nous prêter main forte. Sans lui, à l'heure où je vous parle, sa fête serait tombée aux mains des Turcs. Je te remercie, Ouzama. Nous avons perdu un capitaine, mais gagné un ami. La fête n'a pas de gouverneur. Ma satisfaction serait grande de savoir la forteresse occupée par des chrétiens et par tes hommes, sous ton commandement. Noble roi de Jérusalem, ta proposition m'honore, mais je ne suis qu'un modeste chef de tribu. Ma citadelle, c'est le désert et je ne peux pas quitter les miens. Alors, tu refuses le commandement de Safed? Je suis bédouin, sire. Je n'ai besoin ni de richesse, ni de pouvoir. Tu agis avec plus de célérité que les autres fois. Un jour, tu feras peut-être un bon messager. Non. C'est que j'avais une très bonne raison. Ce que je veux, moi, c'est être le plus vite possible à Jérusalem. Tu sais, ces danseuses, elles m'attendent toujours.